Oh, sans rire, ils se foutent de ma gueule. Là, t'as les Stray Kids qui nous sortent un quatrième MV tiré d'un titre de leur album Ordinary. Et heureusement que l'un d'entre vous sur Insta m'a dit, alors que j'étais tranquillement en train de jouer à Elden Ring un dimanche, hein, j'aimerais bien glander le dimanche, m'a envoyé, tiens, ils viennent de sortir encore un MV pour le titre Freeze. Bon, ben, j'ai été obligé de me coiffer, de m'habiller un minimum pour paraître humain devant vous, un petit peu social, un petit peu beau gosse minimum quand même. Parce qu'évidemment, je ne peux pas rater une réaction au dernier MV, au dernier comeback des Stray Kids. Je sais même plus comment l'appeler. Ça se trouve, ils vont nous faire plaisir et en un mois, ils vont nous sortir un MV pour tous les titres. Bref, on est là pour la réaction un dimanche aux Stray Kids qui nous sortent un MV pour le titre Freeze. Pour le titre Freeze, allez, c'est parti. Au passage, j'ai déjà écouté l'album, je connais les musiques, donc je vais pas être étonné de ce que je vais entendre, donc on va surtout réagir au MV. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, bréan. Déjà, il y a des problèmes dans les journaux. Ouh, cicatrice. Année 30. Ouh, il y a de la technologie, donc habillé années 30, mais avec de la technologie de 23e siècle. C'est des espions, c'est carrément des espions. Plus classe, tu meurs. Féfé, remets ta cravate, elle était pas droite. Merci, Changbin. Ouh, ils ont pas l'air commodes, les parrains de la mafia en face. Ah, il les a convaincus de donner une mallette, je pense, pleine d'argent contre un flocon d'urine. Ouh, il joue à la roulette russe. Non. Qui parmi vous jouerait à la roulette russe? Pas moi. Je me lasse pas cette musique, surtout le tout petit son qu'on attend aigu derrière. Ils veulent les avoir, c'est un faux, c'est un piège, je sais pas ce qu'ils veulent leur faire là. La cravate, y'a un problème de cravate dans ce clip. Ça s'est mal passé. Bien, bien. Oh, vous êtes à 2 mètres. Oh, j'allais dire, ils sont nuls à tirer, mais en fait, ils se tirent balle contre balle. Bien. Oh non. Bon, ils se sont fait avoir, ils sont nazes. T'étais mal préparé, t'avais la cravate défaite aussi. T'as le côté dubstep, là. Encore. Mais dans tout leur MV, ils sont attachés à des chaises. Ou alors, c'est parce que justement, ça se suit. Mais dans le sens inverse. Vas-y, fais les classes. Et c'est... Est-ce que la dernière fois c'était encore Anne qui était libérée avant les autres? Je crois me rappeler que c'était Changbin. Ah, oh, c'est une top musique de leur album, en même temps leur album il défonce tout. Même pendant les périodes un peu douces comme ça là, un peu vocales, ça bouge. Qu'est-ce qu'ils font avec leur urine là en boîte? Ou de leur sirop de menthe? C'est des scientifiques? C'est des espions, des parrains de la mafia, des tailleurs spécialistes en cravate, qu'est-ce qu'ils font? Mmh, le drop. Ice, et il neige, ice, tu m'étonnes. Vous êtes encerclé mais vous avez l'air confiant, qu'est-ce qui va se passer? On dirait qu'ils les engueulent. Ne faites pas les malins. Oula. C'est un bombe cocktail molotov, c'est que c'est... Ils ont pas l'air d'avoir plus peur que ça. Ils ont fait disparaître les gens avec des parapluies, les hommes de main. Et l'entrepôt, mais ils ont pas bougé les mecs en blanc aussi, c'est normal qu'ils crament ton entrepôt. C'était pas de la pisse, hein, étrangement. Flashback. Non. Je veux un dernier drop. Il n'y avait pas de dernier drop dans ce titre. Il y a encore du temps, tu vas me faire quelque chose. Est-ce que ça va être de la storyline rajoutée? T'as vu le souffle froid qu'ils ont rajouté? Il fait vraiment froid là où ils sont. Donc, freeze. Et ils disent ice. À chaque fois, je me laisse avoir. Tu m'étonnes. Ils ont installé leur truc sur une table de billard. Est-ce que Yunjin est le dernier survivant? Non. T'as vu comme c'est ultra sponsorisé, tous leurs fringues, leur boucles d'oreilles et tout. Tu sais quoi? Je trouve qu'il... Eh, c'est des b-sides, ok, mais le clip, il est... Putain, il est généreux, il y a une vraie histoire, une vraie mise en scène, il y a du fric, ils font pas semblant, c'est pas juste... Non mais ils bossent, il y a déjà eu ça,
Franchement, s'ils nous font le coup de nous sortir encore 2-3 MV pour le reste de leur titre, moi je dis oui quoi. En même temps, pour Freeze, là, je suis super content qu'ils en aient sorti un parce que c'est un de mes sons préférés. J'adore tout ce qui est un peu électro, dubstep et ça fait du bien. Parce qu'entre le rock, le rap, beaucoup de rap chez eux. Voilà, j'ai rien de plus à en dire, mais c'est vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du MV et de la musique, comme d'habitude. Et s'il y a des trucs que j'ai pas compris dans l'histoire, libre à vous, laissez aller votre créativité envers les Stray Kids qui m'ont arrêté en pleine session de jeux vidéo. Je le rappelle. J'ai mélangé les deux mots. Un dimanche, donc voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous car c'est plus important. Allez, ciao. Et si vous êtes encore là, à ce moment-là de la vidéo, suivez-moi sur les réseaux Instagram et notamment Twitch, parce que tous les samedis soirs, voire plus, on fait des réactions que je ne fais pas pour ma chaîne, on fait plein de trucs, voilà, c'est simple, il faut y aller, tu t'inscris, tu me suis, hein, tu fais pas chier, merde.